Notre chronique équipement est une présentation de Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Maintenant à Belle-Oeil et au quartier des 30. La qualité de votre jeu court ou la short game en bon québécois, c'est ce qui va vous permettre ultimement de retrancher pas mal de coups à votre carte de pointage. Mais pour ce faire, il faut faire le bon choix d'outils, le bon choix de wedge. C'est d'ailleurs le sujet de notre chronique équipement cette semaine. Le bon wedge. Il faut considérer les conditions dans votre terrain de golf, soit dans l'allée ou dans le sable. Il faut déterminer votre confiance avec ces produits-là, des angles plus élevés. Et dernièrement, s'il y a des distances spécifiques qu'on veut atteindre sur le terrain de golf. Idéalement, on a à peu près 4 ou 5 degrés de différence dans les bâtons pour donner une constance d'un coup à l'autre pour des distances spécifiques. En général, on commence avec une sand wedge entre 54 et 58 degrés. Puis, dépendant de l'espace que vous avez dans votre sac de golf pour d'autres bâtons, on va boucher les trous entre le pitching avec une gap wedge, sand wedge. On peut toujours ajouter une lob wedge qui est plus ouvert, dépendant les distances que vous voulez atteindre puis vos habiletés comme golfeur. Créée en 1979 par Roger Cleveland, l'entreprise Cleveland Golf figure parmi les marques les plus reconnues. Et le 588 Cleveland, conçu en 1988, est l'un des bâtons les plus vendus et populaires à ce jour. 84 % des golfeurs jouent des fers avec cavité arrière, cavity back, car ils ont plus de contrôle et de précision. Les nouveaux wedges CBX de Cleveland ont été conçus pour vous offrir du contrôle, de la précision et de la tolérance dans votre petit jeu. Après les angles, il faut regarder aussi le bounce du wedge, qui est effectivement l'angle que la semelle fait avec le sol. Dépendamment comment vous frappez la balle, il y a une différence. Quelqu'un qui ramasse beaucoup de terre quand il frappe la balle a besoin d'une bounce qui est plus élevée, qui va empêcher le bâton de trop couper dans le sol. Pour une meilleure joueur qui est capable de varier ses coups, on peut peut-être aller avec une bounce qui est moins élevée. Plusieurs compagnies proposent maintenant des cocheurs avec rayures sur toute la surface de la face. On prétend que ce design aide en performance. Les rayures vont donner au golfeur la meilleure chance de bien frapper la balle dans des conditions difficiles et assurer qu'il y a des faits sur la balle après l'impact. Un peu à l'image d'une sélection de fer droit ou de putter, je pense personnellement que la sélection d'un wedge est purement personnelle. Des wedges, il en existe de toutes les formes, de toutes les couleurs. La plupart des compagnies s'efforcent pour rendre ces bâtons-là les plus agréables possibles. Mais je pense que ce qu'il faut faire essentiellement, c'est de frapper beaucoup de balles pour connaître chacune de ces distances. Parce que les angles proposés varient énormément. Ça va de 50 à 60 degrés. Alors de cette façon, si vous connaissez vos distances, vous allez être en mesure de choisir non seulement le bon angle, mais également la bonne semelle qui correspond à vos besoins.